Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Un, deux, trois. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez mettre... C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte. Vite. Allez, dépêchez. Pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Où ça l'était? Là! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer! Chut! Des démons! Restez là! Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! Arrête! Sergeant Harmon! À couvert! Hé! Hey, bien joué! C'est seulement mon boulot. Attention! Je tire! Écartez-vous! Ah, bonjour la prime! Ouais, c'est pour moi qui explique les balles. Je vais paralyser! Je suis presque impressionné! J'ai pas tout vu. Je recharge! Attention! Je neutralise! Merci, c'est pas de refus. Je vais tirer. Derrière vous. Vous êtes l'homme qui tombe à pic. Je tire. Écartez-vous. Moi non plus, je suis pas tout seul. Je vais te paralyser. Danger. Il est KO. Attention, je le neutralise. Où on en est? Je crois qu'on domine. Fumigène. Je vais tirer. Méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques.
Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut! Il reste une petite place? Bienvenue! Génial! La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure! Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle, vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Oh, je suis crevé. Temps de rentrer et de dormir un peu.